partagée sous le signe de la fête, c'est ainsi qu'a été accueillie Latifa Ibziaten avant la projection du film « Latifa, le cœur au combat ». Au nom de son fils Imad, abattu par Mohamed Merah en 2012, elle n'a plus qu'un seul objectif, sauver des jeunes de la tentation du terrorisme. Comment ? En montant des projets à travers le monde, avec un mot-clé, l'éducation. En tout cas, vous avez compris que l'harmonie, c'était la diversité. Cette fragilité, c'est l'éducation, c'est l'amour, c'est le cadre. Je vous assure, tous ces gens qui sont partis, la plupart, c'est des enfants fragiles, touchés, en souffrance, dans la drogue, prison, tout ce que vous voulez. Chaque projet, il a un résultat. Le résultat, quand un enfant, par exemple, en Chine, il vous dit « Madame, j'ai grandi. Ah, j'ai gagné. » Quand là, le projet qu'il vient de faire, il vous dit, des jeunes, grâce à vous, madame, vous m'avez aidé à montrer la belle chose. Et la souffrance, moins de souffrance, de participer, de partager, de connaître une autre civilisation, de connaître l'amour dans les familles qu'on n'a pas. Grâce à vous, de nous ouvrir cet esprit. Et ça peut faire une clique, madame, ça peut changer un enfant. Alors, chers élèves, s'il vous plaît, approchez-vous. Latifa sait que le combat sera long, très long, et si elle regrette l'absence de volonté politique, c'est pour elle une guerre qui ne peut se gagner qu'à travers l'échange.